Aujourd'hui, le championnat de France d'escalade de vitesse, c'est le seul championnat de France qui est encore open, qui est ouvert à tout le monde pour permettre au plus grand nombre de voir venir se confronter un peu aux meilleurs, mais aussi à la voix record. Le but du jeu, c'est vraiment que chacun puisse venir à la fois se confronter à la voix, voir un peu ses temps aussi par rapport aux meilleurs temps record du monde chez les garçons, chez les filles, et aussi par rapport à nos Français qui ont aussi de très bons records personnels. Alors le titre de champion de France, ça reste quelque chose de très important pour tous les athlètes. On peut voir par exemple Anouk Jobert qui a fait deux podiums sur les deux dernières Coupes du Monde et qui n'a encore jamais gagné le championnat de France. Donc on espère que ça sera la bonne fois cette fois-ci. Et c'est quelque chose qui fait rêver tous les champions, tous les grimpeurs français d'avoir ce titre de champion national. Pour moi, les championnats de France, ils sont quand même assez importants parce qu'il faut que je me qualifie, il faut que je réalise les minima et les critères de sélection sur cette compétition pour que je puisse me sélectionner sur la Coupe du Monde d'Ayang qui est fin juin et la Coupe du Monde de Chamonix. Donc voilà, il y a de l'enjeu, il y a de la pression. On était un peu plus de 20 en Coupe du Monde sur une et un peu moins de 20 sur l'autre. Donc là, aujourd'hui, on est 19. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un 8e de finale. Et donc beaucoup de runs pour pouvoir faire descendre le chrono le plus bas possible. Top, c'est parti. Et pour l'instant, c'est équilibré. C'est équilibré. Marco Aes est légèrement en tête. Top, c'est pour Marco Aes. Marco Aes, troisième de ce championnat de France. Donc on voit là que Margot Deschamps est un peu en avance, elle est beaucoup plus petite que Margot Aes et n'a pas les mêmes capacités physiques. Ce qui fait que là on va voir, elles ont des méthodes un peu différentes. Margot Deschamps passe beaucoup plus par la droite et fait un saut qui est beaucoup moins haut et surtout qui lui permet de garder de la vitesse. Pendant ce temps, du coup, Margot Aes arrive à garder, à entretenir la vitesse qu'elle avait produite juste avant. Là, elles sont encore au coude à coude avec un petit avantage pour Margot Aes. Et la fin, Margot Aes du coup arrive à être beaucoup plus rapide, beaucoup plus en fréquence et plus fluide que Margot Deschamps, qui manquait encore un peu d'expérience sur le haut niveau senior. C'est parti. Aïe aïe aïe, le Maglès qui dit un peu. Et quand même pour la franchise qui s'envole. Aïe aïe aïe, le Maglès. Donc là on va voir le très bon départ de Manu par rapport à Quentin. Il part très très tôt. Voilà, du coup là il avait de l'avance. Quentin essaye de revenir, Manu rate la prise de pied là, qui est un timing très important à avoir entre le pied et la main. Et du coup derrière il a du mal à reprendre de la vitesse. Et à ce moment-là, Quentin, lui, c'est une zone plutôt qui lui convient bien là, la zone rectiligne où il arrive à prendre beaucoup de vitesse, il grimpe beaucoup en fréquence et du coup ça lui permet de pouvoir garder l'avance qu'il avait prise sur Manu et s'envoler vers la troisième place. Alors là, c'est la finale des filles, on voit que les filles sont assez au coude à coude. Anouk prend un peu d'avance à l'arrivée du jump et du coup a une très bonne fin et Esther n'arrive pas à combler le retard qu'elle a accumulé sur la première partie. On voit tout ça ralenti, donc on voit bien que les filles, Anouk a un tout petit peu d'avance mais c'est vraiment infime. Esther revient légèrement. Là elles sont sensiblement pareilles avec un peu d'avance pour Anouk. Et là on va voir à l'arrivée de ce saut là où Anouk prend de l'avance et elle repart beaucoup plus vite qu'Esther. Et sur la fin elle va être vraiment très rapide. C'est quelque chose qu'on a bossé pas mal de fois à l'entraînement là, qui lui faisait défaut sur les Coupes du Monde. Et voilà, et du coup sur la fin elle a pris tellement d'avance que c'était pas possible que Esther la rattrape. Top, c'est parti. Et Bassard qui est en tête. Bassard. Ah oui. Allez. Allez. Ah, c'est Johan. C'est Johan. C'est Johan qui gagne. Avec un temps 6-710. Champion de France, Johan Le Booster. 2014. Il est vraiment très très fort. Le record du monde, il peut aller le chercher. Et j'espère pour lui qu'il l'aura, que la France aura encore un record, mais cette fois chez les garçons.
Alors sur ce dernier run, je savais que, qu'il était bon. Donc du coup, je me suis enlevé toute pression, je suis allé vraiment relâcher. Il s'avère que mon run, j'ai pas fait tellement d'erreurs. Même j'ai plutôt fait un bon run vu que je fais mon meilleur chrono. Et je profite d'une petite erreur de Bassa pour le titre, quoi. Mais c'est le jeu. Voilà, c'est la vitesse et ça fait partie du jeu. Je suis content de ma compète. J'étais régulier. Mon objectif n'est pas atteint parce que je voulais descendre sous les 6 secondes. Parce que j'ai bien les moyens, je pense, les capacités de le faire. Mais bon, ce sera pour une prochaine compète. Je vois pas les concurrents comme de la concurrence. Je me bats contre le temps et c'est ce qui me permet d'être serein en fait sur les compètes cette année. Donc je me bats contre le temps, je pense pas aux compétiteurs. De toute façon, je sais que si je fais 6-10, 6 secondes ou moins de 6 secondes, je sais que je serai devant les autres. Donc voilà, je me bats contre le temps, je me bats contre moi-même et c'est tout. Alors bah déjà je suis super contente comme c'est ma première victoire au championnat de France senior. Donc je suis vraiment très heureuse. En plus en bonus j'ai battu mon record personnel donc ça c'est vraiment génial. Et je suis contente sur la gestion de la compétition. J'ai réussi à prendre chaque run les uns après les autres et ça a marché. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce résultat. Voilà, moi je suis arrivée un peu là par hasard, hein. À la base c'est ma sœur qui fait de l'escalade, qui s'en sort pas trop mal d'ailleurs. Et j'ai eu envie un peu de m'investir et bon, petit à petit voilà, j'ai aidé sur les compétitions au bureau. Et puis Jean Lenévé, donc le président de l'ESM Escalade, qui est là depuis quand même presque 30 ans, qui a créé la section et qui l'a fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui. A décidé de prendre le large voilà, pour aller se reposer un petit peu et du coup ben, y a pas forcément beaucoup de gens qui se pressent au portillon pour être président non plus d'un club de 700 adhérents, c'est une charge qui est assez importante mais voilà après il y a des bons côtés comme la manifestation de ce week-end où voilà, on a plaisir à voir les grimpeurs se faire plaisir et être avec les bénévoles et voilà c'est une belle ambiance, une belle émulation malgré ce qu'on dit, on est à 700 mais voilà, on est un peu une petite famille quand même malgré tout quoi. Voilà. Pour nous, c'était une première organisation de championnat de France de vitesse avec la voie officielle de vitesse. Et ben, je crois que ça s'est pas mal passé. J'espère que la vitesse va s'étoffer un petit peu en termes de nombre de compétiteurs et nombre de pratiquants parce que c'est une discipline qui apporte vraiment et pour le bloc et pour la difficulté. Moi j'ai fait le combiné, j'ai découvert et j'ai apprivoisé cette voie de vitesse et j'ai été époustouflée par la richesse gestuelle, l'exigence physique de timing, donc c'est très très enrichissant et j'invite tous les grimpeurs à avoir cette expérience-là, quoi. Essayer au moins une fois cette voie de vitesse et essayer de prendre son temps et de battre son record et c'est très très enrichissant. Oui, la vitesse c'est quelque chose de très nouveau pour moi et je n'imaginais pas vraiment en fait, m'y mettre car ceux qui me connaissent ou me suivent savent que je grimpe très lentement. Du coup, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais voilà, je me suis mis à la vitesse principalement donc dans le but de faire le combiné. Ça fait 2-3 mois que je suis allée faire des stages avec Sylvain Chapelle. J'ai tout de suite accroché avec la discipline, c'est très rigolo au départ et je me suis très vite pris au jeu. Voilà, à changer un petit détail tout du long des entraînements pour gagner quelques dixièmes et j'aime beaucoup ça.